Ce résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Qui a vu l'appel de Nabri dans le dos là-bas d'Ulmer. Nabri, le contrôle est parfait. Nabri, le dribble et la frappe maintenant enroulée. L'arrêt finalement, le pied de Christensen, heureusement, parce qu'il y avait Coman qui était dans les parages. Bon arrêt de Kuhn. Ouais, encore une fois, et Camara. Et on est parti en cours. Joue directement vers Adeyemi, la fusée qui est partie face à lui. Hernandez, il rentre dans le jeu. Adeyemi, la passe vers l'axe avec Aronson qui touche et la frappe d'Adamou dans le but. L'ouverture du score, 1-0 pour Salzbourg, et c'est Adamou qui marque le remplaçant. C'est superbe, vraiment, il vient d'entrer, mais toute cette action d'une verticalité, d'une vitesse incroyable, et puis on enroule techniquement, c'est aussi parfait, et je trouve que c'est mérité dans leur implication. Très sincèrement, magnifique but d'Adamou. 20 ans. Et regardez d'où ça part. Hein. Regardez d'où ça part. C'est récupéré là par Camara qui résiste et puis qui joue directement vers Adeyemi. C'est un ballon. Un ballon. Et alors là, on se retrouve souvent en un contre un. C'est un travail énorme qui est fait au quotidien. Ouais, effectivement, ça va très très vite. Et il n'y a pas une projection d'un nombre incalculable de joueurs. Ils sont deux ou trois. Et ça suffit pour aller déstabiliser cette défense du Bayern. Le ballon dessus, les verticales, c'est bien vu avec Sané qui accélère. Sané, la passe pour personne parce que Lewandowski n'avait pas plongé. Sané a toujours cette touche de balle en trop. Et Nagelsmann qui a l'air de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi joue-t-il comme ça. Et oui, on se regarde un petit peu là sur le banc du côté du Bayern pour l'instant, un peu groggy face à cette audace de la part des Autrichiens, avec un de nouveau Adamou, le ballon avec Aronson qui est toujours là. Aronson encore, Aronson toujours, l'arrêt de Reich qui repousse ce ballon. Et superbe arrêt en tout cas, parce que ce but était ouvert pour Aronson, il a fait tout seul. Ouh, attention, ce ballon, il était un peu court. Ah, il y a pénalty. Il y a pénalty, oui, il est touché du moins. L'arbitre ne bronche pas. Adeyemi qui était passé devant. Il faut revoir quand même. Yesle qui dit pour moi, il y avait une faute. Il revient chez l'arbitre qui dit ok, attendez, je vais écouter ce qu'on me raconte. Absolument. Du côté du VAR. Alors, revoyons cette touche de Sulé. Et puis, Pavard qui attend. Oh non, ah non, je pense pas. Effectivement, c'est... on va revoir sous cet angle-là. Ouh, quoi. Non, les fleurs, le pied de... Non. Tolisso, ils sont 8 à l'entrée du rectangle de Salzbourg. Coman, débordement encore et toujours. Coman, il est passé. Attention de ne pas commettre de faute. Coman et l'arrêt de Kuhn. Petit côté, super barré. Hein. C'est compliqué hein, de le maintenir. Il monte vraiment en puissance. Et attention parce que Müller est parti. Sané aussi. Retour d'Adeyemi qui fait le sprint. Ulmer également. C'est projeté avec Coman. Limite hors jeu. Ouais. Coman le centre. La reprise de Sané. L'arrêt. Et la deuxième arrêt de Kuhn. Oh, incroyable. La façon dont il s'est relevé. Ils ont failli être pris à leur propre jeu parce que c'est un contre comme ils en ont fait beaucoup en première période. Mais quand on a vu le sprint de Coman de nouveau qui appelle, c'était limite hors-jeu, hein, vraiment. C'est récupéré par Capaldo. Capaldo s'y peut donner.
Petite balle un peu juste. Ouh, le ballon maintenant. Il y a un coup à jouer avec Adamou qui écarte sur Adeyemi. Adeyemi qui peut frapper. Non, il s'est écarté. Il arrive à s'échapper. Puis le but d'Adamou, non. Le retour sur la ligne. Le Quelle retour occasion. Sur la ligne de Pavard. Quelle occasion des deux attaquants. Le ballon de Pavard, la déviation, attention avec Coman, le but, ouais. Et ce but qui tombe là, malheureusement, malheureusement, dans les arrêts de jeu. Par le meilleur joueur. Presque. Hein. Allez, il reste une minute et Coman hein, qui surgit, ouais. Nagelsmann qui pousse un grand ouf de soulagement hein, parce qu'il voyait son équipe encore battue ce soir. Et là, Coman, 90e minute. Ce résumé vous a été présenté par Heineken. Et hotel.com, sponsor de l'UEFA Champions League.